Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est toujours un plaisir, comme d'habitude, pour m'arrêter nous, pour me porter pour nous émission par nous, hein, mon éditorial avec Yannick, c'est espace pour nous analyser ensemble situation politique pays hein, par rapport à différents faits qui a dominé l'actualité. Hein. M'a rappelé ou sous TAC 509, tout haïtien connecté. Si vous pouvez abonner à la chaîne, abonnez, activez la cloche notification pour ne pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. Haïti prenons un complot. Haïti prenons un complot ni en dedans ni dehors. Nous prenons un complot à la fois national et international. Sur le plan national, nous identifions directement des acteurs qui liés avec la crise politique là. Qui lié, qui doit être trempé avec problème insécurité, gang cap terrorisé population matin, midi, soir. Sur le plan international, rete kounye ya, pour nous garder ensemble, qui principal pays qui bénéficiaire de crise à Haïti a fait face journée aujourd'hui là. Puisque ça n'a pas gardé comme problème insécurité, ça n'a vive journée aujourd'hui en Haïti. Avec gang yo, avec bandi kap terrorize population, qui pas suspend rentre kaimoun, fait viol collectif, fait kidnapping, assassiner policiers, li plus que ça nous est, li aller au-delà. Puisque journée jodi, crise sa kap secoué l'État, crise sa qui presque crase l'État paysan, qui presque mette institution nou, tout institution nou à genoux, c'est qui paye? Qui principal bénéficiaire, qui pays qui bénéficiait directement de ça qui est en dedans, la République. Hier soir encore, malheureusement, gang vite l'homme non, il était sous deux pieds militaires. Gang vite l'homme non, il était en opération. Alors que nous avons déjà la police française LB qui a annoncé opération Tornade, et pourtant nous avons ces gangs vite l'homme qui répond, c'est gang vite l'homme qui lui-même l'a fait opération hier soir, Moun Peigné, hier soir Moun Out Frère, hier soir Moun Belleville, ils n'ont pas foutu dormi. Ils n'ont pas qu'à dormir la caillou. Alert by SOS lancé depuis nan peigné gang vite l'homme nan yo rassemblé nèg nan machine yo rassemblé nèg nan pick-up yo rassemblé garçon bako l'odeur yo avec yo direction Belleville yo pral défier l'état yo pral défier autorité yo pral défier l'autre fois encore France LB ak tout CSPN nan. Et en parlant de CSPN qui wall CSPN nan? Est-ce qu'on connaît Wall CSPN? Nous n'avons pas qu'un monde qui occupe des fonctions de la République, mais placé par côté. C'est comme si tu prends un médecin ou un docteur ou mettez-le dans le tribunal pour la justice. Est-ce qu'un médecin qui a la justice? Un médecin placé dans l'hôpital? Un avocat, un juge placé dans le tribunal, mais en Haïti, nous faisons des choses différemment. Joune jodi an, nou gon CSPN ki gen paquet moun ki la dan, ki incompétent, ki pa ka répondre avec les besoins du moment. Nou gon paquet moun an de dans CSPN nan, ki pa ka pote solution avec problème ki gen la, problème moment, yo pa en mesure pour yo pote solution avec li. Ou gen premier ministre Ariel Henry ki conteste, ou gen mini justice. Bon, c'est son vérité. Emily Prophète Mirce son moun nan domaine pal ki très respecté, nan sa ki gen pouwe avec culture, nan sa ki gen pouwe avec lettre, puisque c'est écrivain lié. C'est vrai, Emily Prophète li étudie droit, etc. Mais jounen jodi an la, est-ce que Emily son expert en sécurité? Est-ce que le kapote solution avec problème sécurité? Hein? Le nous connaît. En dedans CSPN, Wall CSPN, c'est mettre des plans stratégiques sous table. Pour permettre à ce que PNH arrive, mener des opérations pour aller attaquer bandit, pour aller dénicher bandit, déloger bandit, pour rétablir sécurité, pour gérer question sécurité en dedans la République. Est-ce que Emily Prophète, qui est actuel ministre justice, est-ce que il a expertise dans le domaine sécurité? Est-ce que il a répondre avec question sur sécurité? C'est ça moi dis nous. En Haïti, ce n'est jamais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Ce n'est jamais l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ariel, premier ministre, décrié, il n'est pas en mesure pour le porter réponse avec problème population. Il n'est pas en mesure pour le porter réponse avec problème grand goût. Pas bon plan gouvernemental qui mettait campé. Ariel, à la fois ministre intérieur. Ariel, il y a deux chapeaux en deux de CSPN, non? Qui a venu au PNH vraiment? Qui a venu en sécurité pays? Est-ce que PNH est en mesure pour le déloger bandit, pour le dé et pour le démanteler gang? Non, moment n'a pas les là. Et bon, l'autre bagaille qui est beaucoup plus grave. Qui est beaucoup plus grave. Il y a des expériences sécurité, je ne parle pas avec eux. Tout le temps, il a fait des propositions avec PNH. Tout le temps, il a demandé PNH pour aider les policiers en formation. C'est toujours refus, c'est toujours refus. Il n'y a pas jamais d'accord. L'État n'a pas jamais d'accord pour les gens qui ont connaissance, pour les gens qui ont expertise dans des domaines, venez de yo. Même lorsque c'est yo va payer gratis, tu chéris. Ou rendre un service, il n'y a pas d'accord. Bah konnen si c'est plan machiavélique nèg yo pour écraser pays pour écraser institution la police de l'intérieur mais yo pas jamais vraiment voulu prendre consultation des experts en sécurité. Ou bien par rapport avec gang yo qui amplifié par rapport avec bandi yo qui prend plus territoire, bandi yo qui gagne plus gros armes, bandi yo qui mette yo dans situation yo gen bois des banan yo. Ou bien est-ce que PNH li ka répond avec question gang bandi nan moment là? Parce que ça nous a regardé là, Jean gang yo amplifié, Jean gang yo multiplié, Jean gang yo gen puissance de feu, gros âme, gros calibre. Gros pas 9 mm. C'est pas manchette qui nan menèg yo, c'est pas 12 qui nan menèg yo, c'est pas 38 qui nan menèg yo, c'est 65. C'est gros à manche long, on regarde quelques bandits. Moi, avant, il y a une vidéo en bandit et ils ont partagé avec moi. Même chargeur, oui, tu vas là-bas, on ne va pas mettre dans les âmes. Non, pas qu'on a rien dans la question des âmes, non. Yo pa konnen rien dans la question des âmes. Yo fait recrutement, tout petit jeune garçon, yo joine, rentre dans la gang, rentre dans la gang. En 2004, peut-être, en 2006, peut-être. Gang qui te gagne, groupe armé qui te gagne, qui pa gagne autant de nègres là-dedans, autant de bras, qui pa gagne autant d'hommes tout. Qui pas de tout zam gros calibre za yo, peut-être 2004-2006, la police nous te gen la, te ka répondre avec question gang, question bandit. Joune jodi la problème sécurité qui gen de dans la République, li plus en question la, mais qui pou ta poton réponse avec gang yo bandit que PNH. Parce que PNH, nan mission sou ap gade se protéger ak servi population. Est-ce que PNH li gen mission pour la déloger, dénicher bandit, traquer gang, etc., craser gang? Ça ou se job la me. Ça ou se job la me. Ou nya, si on fait référence sur le plan international, bon ensemble de pays là, jounen jodi an, qui pas d'accord pour Haïti gen la me, alors que gang a multiplié, gang a amplifié en dedans pays, c'est pour poser cette question directe pour qui intérêt pays ça yo gagné qui fait yo parler Haïti gen la me? Qui intérêt yo gagné qui fait yo parler pour autorité en dedans pays, mette on la me campé sous pied parce que situation pays est tellement difficile, ça n'a vu jounen jodi an, en dedans pays est tellement difficile, c'est l'armée qui capote en réponse avec problème moment. C'est l'armée qui capote en réponse ultime avec problème moment. Le nous constater, j'ai écrasé PNH, j'ai écrasé la police. Le nous constater, c'est même autorité ça y encore. C'est même autorité ça y qui joue jodi a montré population, y a cherché une réponse pour yo. Y a cherché une réponse avec problème sécurité. Et pourtant, c'est yo même encore attendez qui lié à bandi, qui chita à bandi, qui rencontre à bandi. Qui a bay bandi moyen sous prétexte que bandi yo c'est agent de développement? Qui a bay bandi yo moyen financier? Et l'on bay bandi en 1 million goud, bandi yo c'est zam li renforce, c'est munition li renforce, c'est pas don le fait avec, c'est pas Bible li acheté avec, c'est pas chose d'espérance li acheté avec. L'on bay bandi zam, l'on bay bandi l'argent, c'est pas un gré l'acheté. L'on bay bandi l'argent. Ce n'est pas don le fait, bandit, hein? C'est moyen limité à la disposition, moyen matériel, moyen technique pour traquer la police. Au lieu de la police, je ne dis pas en Haïti, c'est yo qui a traqué bandit. Nous constatons que c'est bandit qui a traqué la police, c'est bandit qui a traqué les policiers. Et là, nous constatons visiblement, c'est presque la faillite de l'État. Et qui dit faillite de l'État, c'est toute société qui échoue.
Parce que nous remets dit parti ça peut-être pour qu'oublier le jeudi. L'État c'est nous c'est l'État. Le l'État pour un savon soufflé, c'est payant prend, c'est moi c'est où c'est nous tous qui prend, c'est nous tous qui met à genoux. Nous tellement à genoux, même solidarité, oui nous perdons dans l'institution yo. Non tant longtemps qu'on tendé. On chouquette là où c'est qu'a passé en côté là. On sait citoyen manque le dégât, on sait citoyen gré dans sous lit. Ou bien attaquer le. Soit attendez à la 5-10 minutes pas passé. C'est 10-15 vieux. C'est camion qui a débarqué. C'est camion qui a débarqué. Vin ou le moun avec Toto Makakoui. Vin ou le moun vin bat moun. Oui. C'est ça qui fait longtemps qu'on a dit. Ou qu'on a dit moun a dit. Toto Makoutio, yo méchant. Toto Makoutio, yo bat moun. Toto Makoutio, c'est krasé zo yo. Parce que à un certain moment, moun te respecte moun. À un certain moment, il y a solidarité en deux institutions. Journée aujourd'hui, on va voir ces gangs qui font solidarité. L'État va faire solidarité. Sinon, aujourd'hui, on va attendre des Genève, d'où manger une manger tout. On va attendre des gangs qui font solidarité, mais l'État, institution, on va pas de solidarité. Policier tombé. Chaque jour, madame policier, petite policier, a vint crier, vint réler. Vin di yo pa wè mari yo, papa yo, frère yo, zami yo, petit yo disparaît. En dedans institution qui là pour protéger et sécuriser la vie ak bien moun. Mais policier pa la, bien ça plus grave là. Le policier a tombé. Pourtant de ces familles policier pral vin annoncer IGDG la police, li pa wè mari, li pa wè petit li, li pa jwenn kwa, c'est triste. C'est triste. Même dans le film, mes amis, nous qu'on a regardé, le policier, le militaire tombé, nous pas ouais, ces délégations qui viennent frapper porte mon yo, nous viennent annoncer et tel mouri sous champ de bataille, nous viennent annoncer mari ou mouri, madame ou mouri dans mission, dans opération. Kounye, c'est madame policier, c'est maman, c'est papa, c'est eux même qui a vinn di IGDG, s'il vous plaît, kote petit yo, kote mari yo. Institution la police, pas de aucune coordination, pas de administration qui fait dans dol. Pas de administration qui fait. Hier encore, yon vin longe liste, gang vin longe liste policier qui a tombé, policier qui a victime. Un policier qui est Carrefour, qui est le rabel jusqu'à la quitte Carrefour pour venir travailler Delma 33. Li passe taraz. Nèg ti makak yo croisé avec lui, li te sous moto, yon assassiné, yon touye. Qu'on y a ces madame policière qui a vinn mande autorité yo côté maril. Est-ce que le ka joine quoi pour le ballon dernier hommage? Est-ce que le vivant? Est-ce que le mouri? Alors que c'était wall commissariat pour dire ah ma ou ta vinn prend et ta vinn prend poste à telle heure mais telle heure il pour arriver pour ta reler madame policière pour dire ou pas gain feedback de ma ou. Li vin travail, li te déplacé, etc. Yo pa ka fèl. Parce que journée jodi an nou gwen institution ki krasé ni an dan, ki krasé ni dehors, parce que autorité ki la ou son pa ket champan yoye, ki plas yo ki wòl yo an dedans la police. Matin se ak glonje, map gande, map tande, madame, petite, yon nan policier ki te almene opération nan metivye yo, policier Stanislas. Jouk nan moment n'a parlé à la police pas en mesure pour le dire madame nan pour le dire petite là est-ce que papa a mouri ou bien est-ce que le porte disparu toujours yo pa ka di s'il mouri s'il vivant alors que nous gon institution la police nous gon inspection générale qui là nous gagne des autorités qui là qui placé nan IG la police pour faire renseignement pour ba information sur policier yo bon faut attendre parce que c'est triste. Pour nous, dans quel niveau pays a privé, dans quel niveau institution la police a tombé, ou même, ou a mettre quoi mettre pour. Ici, ça que vous pas joindre jusqu'à présent, ça fait déjà 8 jours. Et matin, l'ITV adressé là avec autorité. Madame Marie-Carmel, bonjour. Bonjour, Radio Caraïbes. Moi, c'est madame policier Weekend Stanislas, Marie-Corvel Daniel Stanislas. Je viens faire 12 jours depuis que Marie m'a allé en opération, métivier. Jusqu'à présent, bon, je ne sais pas si c'est Marie vivant ou si Marie mourit. Moi-même, je n'ai pas une bonne réponse. Est-ce que Marie vivant ou est-ce que Marie mourit? Je ne sais pas si je ne crois pas. Je dis rien, il y a fait un enterrement pour les trois policiers, mais moi, Marie-Pam, je ne sais pas si je ne crois pas.
ni moi-même, ni petit moi, ni famille, pour nous t'abaler en dernier hommage. Question ça va poser là, matin, madame, c'est pas cool, il va poser, nous poser le bien avant ça, et ou à le poser le, probablement à responsable bio, et est-ce que vous allez là dans le commissariat, et qui ça vous dit? Oui, depuis le même jour, je suis allé dans le commissariat. Après ça, je suis allé devant ça, m'avait encore, je suis accompagné, moi, je suis même dans la direction générale. Le privé, je suis parlé avec vous. Bon, je te dis, je fais recherche pour moi, moi-même tout, je dis, c'est toutefois, je fais recherche partout, je fais reconnaître. Bon, je n'ai aucune réponse par vos côtés par eux. Moi-même tout, je n'ai aucune autre réponse. Ça m'a demandé, comme c'est un veille de travail, Marie m'a 10 ans depuis le travail dans la police. Hein? Marie m'a dit qu'il était vraiment dans les jours blancs. Marie me fait tout lui-même pour le job là. Marie me semble qu'il y a une pile famille, une petite, une moi-même comme madame et tout. Moi, t'as aimé, si Marie me l'a, pour nous t'as fait me connaître, pour nous faire richesse pour moi, pour me connaître, si là. Si Marie me mourit, moi, t'as aimé pour me dire, je ne crois pas Marie. Marie me tient même en pile, Marie me met petite moins. Marie me met 100 000, Marie me fait mon dire, mais mon. Si comme Marie me l'a toujours, moi t'as aimé moi, mais ma petite moi, ma famille, pour nous t'avoir Marie, mon dernier hommage. C'est ça ma demande, pour nous te casser, de me faire richesse. S'il là pour me connaître, s'il pas là pour me connaître. Donc que je dis, l'autre mère de l'autre policier, il va pas si fini avec Marie. Moi-même, moi t'as aimé, si c'est fini avec Marie, tout accompagner à petite Marie, à famille Marie. Moi, j'ai un premier petit point avec Marie. Je ne vais pas casser dans le gelé. Je dis à ces 12 jours, peut-être là va manger. Il n'a pas dormi, il a crié. Marie, j'ai deux petits jumeaux ensemble avec un dernier petit point avec Marie. J'ai 11 ans. Timouni a crié matin, midi et soir. Même l'école, je ne vais pas avoir Timouni. Parce que Timouni a toujours dit, maman, côté papi, maman, côté papi. Petit film dans lui-même. Quel que soit ça, loué en d'un cas là, il a crié, il ne voit pas papa lui crier, il voit l'inette papa lui crier, il voit l'autre papa lui crier. Quel que soit ça, loué, tout dernièrement, je suis sorti avec lui pour mal régler, je suis sorti à petit là. Petit là, avec la machine, petit là, pour me réveiller, ouvrir la machine, pour courir. C'est en moi, les gens qui sont aidés, qui sont petit là. Parce que loué, policier, là, il a réalisé le constat, tout. Les gens ont attendu un jour qu'il était caché, papa. Demandez-nous pour nous aider, s'il vous plaît. Pour nous aider à me chercher, pour me connaître si Marie est vivant. Si Marie mourir, pour me dégager comme Marie, pour m'assister, dernier finir avec Marie, moi-même avec petit moyen. Mais demoiselle, ensemble avec moi, il a besoin de dire un mot pour des grâces pour papa. Allô? Oh, bonjour. Bonjour, je suis allé chez mon papa. Parce que depuis que papa est là, nous avons toujours voulu quitter le job là. Mais lui-même, il était toujours aimé le job. Il était toujours fongeant pour nous dire, exactement là, papa mourit avec un visa sous passeport. Il était capable de quitter le pays. Il était là. Mais moi, si c'était que ce policier, ça pour papa, pays d'Haïti, ça a changé. Tellement il était remis sale d'affaires. C'est ça, m'a demandé justice pour papa. Et m'a remis jeune quoi. M'a pas qu'à dire si c'est boulé ou boulé. Si c'est lâché ou lâché. Parce que nous pas besoin de quoi c'est quoi. Nous besoin pour nous enterrer. Yo jeune quoi tous les quatre policiers. Puis on pas qu'à jeune pas là. Merci en pile. Bon, nous sommes tendés là. Et nous attendons, tristesse, chagrin. Et tout bagaille ça, c'est ça qui envahit, famille, proche, policier qui victime. Parce que, pas de bagaille qui plus grave, qui plus dur que l'on proche ou qui tombe, même mon dernier hommage ou pas qu'à bali. Même non tout pas qu'à mettre, même non tout pas qu'à le déposer pour mon dernier fois. Donc, si tu as ça difficile, moi, je me demande est-ce que. LB, est-ce que Ariel, est-ce que Mini Justice, est-ce que André Michel, yo, tout nèg sa yo, coalition politique qui te konal chita avec nèg sa yo, a planifié, nan opposition, a planifié déstabiliser pays, manifestation, Fantôme 609. Je ne j'en dis là, est-ce que yo pas senti conscience yo touche yo?
Bon, ça arrive au pas bon conscience, mais sous conscience nous quand même pour n'a regarder policiers qui tomber, famille qui séparer, famille qui diviser. Parce que nous besoin prendre pouvoir, n'a bataille pour pouvoir. Définitivement Haïti ça l'heure dit Haïti son pays spécial, son pays spécial parce que nous pas arrêter consciemment pour n'a craser un pays. Nous pas arrêter consciemment, oui nous conscients que en dedans la République gen nèg. Gennèg an dedans pays autorité qui participait dans plan nan plan machiavélique ça à l'interne pour casser pays mais au niveau international kounya si n'a garder réalité si nous t'en fait on décompte quantité zame qui nan mes bandi au côté au sorti après près de 90% zame ça c'est zame qui sorti États-Unis c'est zame qui sorti États-Unis oui c'est vrai États-Unis tout chaque moun et grand moun la caillou chaque moun géré et gérer douane yo gérer port yo gérer et bagay kap sorti dans le pays rentrer la caillou pas placé pour yo contrôler frontières pour yo contrôler port etc etc mais c'est la caillou zame yo sorti c'est économie yo qui augmenté avec question zame avec question armement question zame chaque jour kap sorti États-Unis rentrer en Haïti qui ça qui fait qui ça qui ka fait alors que Haïti gen embargo la police dans difficulté pour acheter zame. La police en difficulté pour acheter matériel. Bon, pas même besoin de parler de matériel militaire. Moun sa a décidé de faire quoi sous la médaille. Donc, mes bandits en lui-même, dans situation pour les armes, pour les gros armes lourdes, pour la touiller policiers. Nous pas participer dans le complot. Nous pas participer dans déstabiliser Haïti. Nous pas participer dans craser pays. Le c'est désévoué. Nèg sa yo, nèg tête en bas sa yo tan kwa riel yo. Nous choisi mette kap on coalition gang nan tête l'état. Nous choisi mette on coalition bandi occupé l'état sous prétexte que c'est yo pour organiser élection, c'est yo pour faire ceci, c'est yo pour faire cela. Tout mauvais choix politique yo, c'est États-Unis, Canada, kwa groupe bin madan la lim ki kapé de yo. Jusque ça quand. Qui le n'a pas stabilité, qui le Haïti pralé sous et nan ap koné. Au minimum de sécurité là-dedans qui là qui joue gros l'autre politique nèg yo a joué à terre là m'a dit combien haïtiens qu'on est à terre là en dedans la république qui gagne un business qui gagne dans figil qui prend initiative pour payer qui t'est amené développement en dedans la république qui gagne dans figil combien haïtiens mis à part Youri la tortue nous connaît qui gagne ferme la tortue qui fait zeu en Haïti pour le baïsayo. Combien d'autres haïtiens ou connaît qui gagne qui a produit zè? Combien d'autres haïtiens ou connaît qui gagne gros poulailler qui a produit zè pour alimenter pays d'Haïti, pour alimenter marché haïtien? Ou pensez République Dominicaine t'a banou chance ça? Ou pensez République Dominicaine qui a pour nous zè, qui a pour nous un paquet de produits, un paquet de produits yo mette gagne là dedans mette et pour Haïti exclusivement. Nous pensez on t'a jamais accepté pour le développement? Nous pensons que nous avons jamais d'accord pour que l'agriculture pays a relancé. Nous pensons ça. Et bien, bon, dis nous un bagay. Honnêtement, ça va passer dans la République là. Leur parler de l'international qui est impliqué, il faut que nous cherchions les principaux bénéficiaires de la crise pays là. Et il y a plusieurs documentaires qui travaillent sur eux. Bon pour les annoncer ça m'était seulement revenir avec documentaire là et puis sortant de là pour nous te apprécier travail là. Mais m'a ba nous un petit feedback. Ou Haïti, ou nèg sa nou gen nan tèt peyi an la. Et gen pil nan yo ki pase tout des hommes politiques qui passent en dedans peyi an. An pil nan yo, c'est criminel. Gon bagay yo toujours aimé di, lò wè, te gon président, te gon gouvernement qui démocratiquement élu qui te là. Kou wè, yo ale, cette transition qui vini yo toujours dou, ou nous même nous pas là pour nous exécuter, nous là pour nous liquider les affaires courantes. Nous, président Jovenel Moïse, nèg yo touye 7 juillet 2021. Eh bien, Jovenel Moïse, li te mette après mandat Jovenel te fini. Nèg yo t'a assassiné Jovenel Moïse. Tout dit nous ça, documentaire dans un documentaire qui très risqué lié, son documentaire qui très coûteux lié tout, mais l'essentiel c'est que le travail en vini n'a pas apprécié le travail. Pour ça, moi Jovenel fait, pour mon initiative, moi Jovenel prend, c'est pas seulement dans le département de Nord, il prend dans 5 départements en vérité. En vérité, République Dominicaine qui c'est pays voisin nous, au grand jamais on va jamais permettre que Jovenel Moïse ti nèg tête green exécuter réaliser ça moi on mettait campé comme projet non jamais
Et nous avons constaté après Jovenel Moïse, allez, après au final assassiné Jovenel Moïse, par Jovenel Moïse, par un nègre qui vient là, qui t'a dit, il a continué avec le projet, il a continué avec l'initiative. Au contraire, tout ça qui t'a commencé, tout ça qui t'a tombé, il a crasé, il a crasé. Crasé, il a crasé. Journée aujourd'hui, là, dans ce qui est pour avec l'agriculture, dans ce qui est pour avec la politique grand ou politique vote peuple haïtien. Nous avons l'État qui n'a pas qu'à répondre avec autosuffisance alimentaire, avec problème grand goût, qui n'a pas qu'à répondre avec besoin pour la population manger. Tout ça, nous besoin, tout ça pour nous consommer, c'est en République Dominicaine. Nous sommes les principaux acheteurs de République Dominicaine. Eh bien, en vérité, Haïti n'a pas besoin de stabilité, non? Haïti n'a pas besoin de un gouvernement, n'a pas besoin de un président qui est stable, qui pourrait lancer l'agriculture, non? Est-ce qu'on connaît, moi-même dans ma recherche, je une information. Est-ce qu'on connaît le gros commerce dominicain, yo voyez produit en Haïti, yo exporte produit en Haïti. Est-ce qu'on connaît barrière tarifaire en baisse, yo paye moins taxes, moins impôts. Dernière décision, Abinader se prend là pour yo pas voyer ze en Haïti, pour yo pas exporter ze. Eh bien, c'est l'obéi qui levait en République Dominicaine avec commerçant yo. Avec entrepreneur, pour qui ça? Parce que je vends sur le marché dominicain, automatiquement, yo paye plus taxes. Yo paye plus taxes pour je. Donc, yo même, comme c'est profit à chercher, c'est l'argent à chercher, le vend avec haïtien, c'est plus l'argent, c'est plus gain yo fait. Eh bien, yo pété coquin, fuck je a quitté la République Dominicaine, vin entre en Haïti pour yo vendre, pour yo faire plus comme. Donc, ou pensez en Haïti, bon tinèg tête, gon nèg dans diaspora, ou bien 10 haïtiens, 20 haïtiens, 50 haïtiens qui te ka décide de mettre ensemble là, monton gros pou la et pour mettre je. Qui est-ce qui a boit chanson? Ou pensez à jam ka kito vin avec des projets là, pour dire ou pral fait tomate, ou pral fait zonyon, ou pral fait militon, ou pral fait carotte, ou pral fait chou, y a tout yo. Il y a tout yo, gouvernement pas jam stable, pouvoir pas jam stable, parce que stabilité économique République Dominicaine li dépend directement de stabilité qui est en Haïti. Ça me clair sous li. Yo met content, yo met fâché, son vérité absolue. Stabilité économique République Dominicaine li dépend de stabilité qui est en Haïti. Li dépend de kachouboube. Parce que si gagne un gouvernement au pouvoir qui stable en Haïti, côté que programme yo c'est programme gouvernement, programme président, c'est relancer agriculture qui t'est le passé, et ben qui est-ce qui va acheter ba yo? Y a vend nous y a plus milieu, y a craché dans figou, y a bo couper dans moudo. Donc comprenez bien, ou la politique yo. En tout cas, complot pour yo exécuter c'est avec nèg tête green barre nous. Ce n'est pas Américain, Canadien, Français, Dominicain qui saute la Kaili avec gros âmes, Vinci mena trouble. Non. C'est Haïtien pareil nous. C'est les têtes green pareil nous. C'est frère nous, c'est soeur nous. C'est eux-mêmes qui utilisent pour déstabiliser Haïti. Politiciens nous, les qui remettent l'argent, qui remettent les zoyo. C'est eux-mêmes qui utilisent encore. Donc ce n'est pas étranger qui parle de Haïti, mais plutôt c'est Haïtien qui parle de Haïti. C'est haïtien ça qui pas jamais prendre bonne décision, c'est même qui parle Haïti. C'est malheureux, c'est regrettable, mais c'est un fait. OK? C'est un fait lié et chaque jour c'est toujours même refrain yo gang cap déstabiliser, gang cap touyer, viol collectif et gang cap terroriser population, politiciens qui allient à gang, secteur privé qui allient à gang, etc. C'est toujours même diagnostic yo sur situation pays. Et bien dans l'émission là pour aujourd'hui, hein, m'pense nous partager un ensemble de formations qui très utile. Même pral kite nou avec ancien premier ministre Evans Paul lui-même qui présentait crise n'a vive la crise moment son l'autre angle. Li présente son l'autre angle, c'est vraiment intéressant que ou même ou tendez ou garder ça gen pour di. Donc m'a invite ou suivre avec un pile attention et intervention Evans Paul et qui ton commentaire, qui ton appréciation et partager vidéo pour plus moun ka au courant de ça qui passe en dedans pays. Ba nous attention, on nous garder ensemble. Merci ou t'es invité monsieur Théodore. Bonjour tout le monde qui branché, cap tendez, cap garder. C'est avec un pile douleur, un pile souffrance, un pile préoccupation, un pile indignation. Nous venons dans l'émission parce que nous presque pas un sommeil. Parce que toute nouvelle loi prend, c'est nouvelle tête chargée, c'est nouvelle révoltant.
et nous vraiment dans un carrefour côté nous besoin un véritable ralliement patriotique pour nous faire face à la situation de drame pays à vivre aujourd'hui. Matin ou encore hier dimanche au lever avec une nouvelle, nous lever avec une nouvelle que gang vite l'homme crasé sous commissariat Pernier. Là nous connaît qui ça un commissariat représenté, là nous comparer avec ça une caserne de représenté. Il y a une trentaine d'années en Haïti. Qui ça dit ou l'aura pour une nouvelle ça? Bon, encore l'État pour un coup. Pas oublier que y a un commissariat de police, c'est symbole l'État. Et ça pour comprendre la police. C'est l'État ou même population pour un coup? L'État pour un coup, c'est population pour un coup. Parce qu'en pile fois, mon yo a fait une différence entre l'État et la population. Pas oublier que l'État, c'est nous toutes. L'État, c'est capable de dire organisation générale de société hein, qui gérait par délégation temporairement par un gouvernement. Oui, mais nous avons tendance à parler de l'État ou de représentants de l'État, il y a des gens qui ont dirigé. Il y a des gens qui ont dirigé, c'est une erreur, c'est ça qui fait grand pile de monde qui pense que faut écraser l'État, etc. L'État, c'est nous, l'État, c'est pour nous. C'est comme dans une machine, la machine, c'est pour nous, quand on a un mauvais chauffeur. Cap mener machine non mais cap mal mener machine non car un mauvais mécanicien cap mal réparer machine non mais machine n'arrête machine pas ou alors l'État c'est pour nous et l'État créé depuis 1804 l'État c'est pas nous et nous tous c'est l'État nous tous comme citoyens nous c'est assemblée générale l'État que l'autre monde qui n'a une instance qui est le gouvernement a géré pour nous tous temporairement. Alors, l'aime dit l'État prend coup, comme il y a une première responsabilité l'État, c'est assurer sécurité la vie avec bien monde. Eh bien, l'État prend coup, c'est sûr que population prend coup à pire, parce que l'État, c'est tête là. L'État a failli, nous toutes nos victimes. Et c'est exactement dans ça nous y est là. Il y a des gens qui pensent que craser l'État, et c'est ça qui est l'objectif là. Nous ne sommes pas capables de craser l'État. Nous avons besoin de l'État. L'État, c'est mode d'organisation sociétaire, c'est depuis l'Antiquité. Ils ont décidé comme ça. Nous ne sommes pas capables de gérer tête nous pour compte. Chaque monde n'est pas capable de tête de sécurité. Chaque monde n'est pas capable de tête de justice. C'est peut-être ça. Gagner une organisation qui relè l'État, qui a dirigé temporairement par des gens, qui ont droit bon, qui ont droit mauvais, mais l'État, c'est pour nous, l'État, nous devons protéger. Nous prenons l'État pour un coup, en fait, la population prend un coup, j'en suis dit là. Qui vient de considérer ça comme un signal de l'État affaibli, son message? C'est un exercice de force, une démonstration de force de la part des bandits. Comment vous comprenez? Oui, les bandits ont de plus en plus à montrer au téméraire. Ils ont montré audacieux et ils ont terrorisé les gens. C'est-à-dire que sont actes terroristes. Et non seulement ils font une action réelle, une action de violence extrême, mais le message là a terrorisé toute population qui dit si bandit a entré le crasé en commissariat et moi même petit kay pa mnan et comme de fait depuis quelque temps toute zone Tosel Pernier en pile moun obligé abandonner petit kay yo te prend 30 ans 40 ans pour yo bâti et c'est extrêmement grave. Oui. Alors là nous dans une situation nous se dit son drame nous cap dit son tragédie qui sont problèmes qui m'ont dit pour nous garder là avec un piloteur, c'est pour un problème partisan, c'est pour un problème politique, politicien, c'est un problème bien sûr politique là doit adresser, mais c'est pour un problème nous capables de régler dans zizani politique. Monsieur Paul, Zach ça a fait, on dit quelques heures après l'adresse à la nation du Premier ministre Ariel Henry, quelques heures également après l'annonce, après le lancement d'une opération baptisée Tornade par le chef de la police. Réponse ça, vous pensez que là, c'est pour le Premier ministre Michel Palais ou bien est-ce que ça veut dire direction de la police en la Palais? Les actes de l'État pour un coup,
parce que justement, il y a un contexte là. Il y a un contexte côté, il y a une succession de policiers ou assassinés, je salue mes mémoires, je profite de présenter condoléances à la famille. Il y a un sac qui est passé métivier dans Pétionville, il y a un sac qui est passé dans Liancourt, et l'autre bagaille qui est passé de l'autre côté qui est passé après. Il y a seulement pour l'année 2022, il y a environ 50 policiers qui mourent assassinés parmi eux. Te gen commandant yon entreprenant dans l'église, gen yon directeur académie. Ça veut dire que gen pile bagay grave qui passe dans mi-temps la police là. Ça fait me penser que gen nécessité pour population exprimer une solidarité à police nationale. La police là, c'est pas nous. Police là, c'est pour nous. Et police là, nous supposons protéger, parce que si police là pas existé, nous à la dérive net. Que le te faible, que le pas faible, police là, c'est pour nous, et force police là, non mais nous. Alors, l'homme te dit l'État pour un coup, c'est dans ce sens ça. L'État pour un coup, et Premier ministre l'a parlé, et directeur général de la police parlé. C'est comme si on dit ça, on dit à ces paroles pas, il n'y a pas effet. Alors, parole là, pas suivi d'effet. Alors, c'est ça la problématique de la crise. Et il y a deux aspects pour considérer là-dedans. Il y a audace bandit, mais il y a une attitude de démobilisation de société à de population pour des raisons diverses. Je pense que René Préval en campagne, c'était Dion Bagay, je te dis, il faut restaurer l'autorité de l'État. Le ça, c'était nous en période 95, premier mandat là. 1996, exactement. Oui, alors en campagne. Oui, oui. Et non, lui dit ça, l'elle fait monter. L'elle fait qu'il est président, lui dit il faut restaurer l'autorité de l'État parce que depuis le ça, question autorité de l'État t'est posée. Et l'État a commencé à perdre force, l'État a commencé à perdre prestige. Li. Mais il y a pile aspect dans la question de l'autorité de l'État. L'instabilité politique, c'est un facteur de déstabilisation de l'État. Le fait que chaque matin, on change de gouvernement, on change de président, nous toujours dans voyal, les contradictions, les frapper, etc., qui fait institution affaiblie. Et puis, mais des zones de la RIA viennent entrer dans l'État. Non, mais je veux dire que tout ça, ce n'est pas, tant qu'il y a un coup d'éclair qui apparaît. C'est œuvre, si vous voulez, monsieur qui a fait politique dans le pays. Mais là, plus que ça. Ce n'est pas œuvre qui a fait politique. C'est une dynamique de société. Et soit elle est dans l'histoire du pays, ou elle est marquée par trois bagailles. La violence, et la violence de l'enfant n'est pas située seulement dans l'époque pays après l'indépendance en 1804. Il y a la violence du système esclavagiste qui n'a pas fini de disparaître, la trace n'est pas finale. Et nous tombons dans la turbulence politique depuis 1806 avec l'assassinat de Dessalines. Et turbulence politique, ça va le bon laisser frapper et qui m'a donné une grande souffrance. Qui fait pour le monde vivre en Haïti depuis quelque temps, nous avons une dynamique que nous appelons résistance passive ou résistance active. Résistance passive, là, c'est le monde qui croit fort résister, c'est la prière, c'est bon Dieu qui est responsable, c'est dans le ciel pour la résoudre. Résistance active, là, c'est le monde qui croit que vous êtes sous terre, vous êtes dans le pays, vous avez une responsabilité, vous êtes gourmet. Alors, le pays a marqué par la violence, la turbulence, la souffrance et la résistance. Maintenant, PMKP m'a obligé de retourner malgré où à la question homme politique. C'est nous qui avons demandé. Vous voulez pas aller, c'est nous-mêmes qui avons demandé. Bien sûr, c'est bien. Mais c'est dynamique. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Parce que si vous prenez Constance la Théodore, elle a dit ou après prendre son plan conjoncturel. Non, alors, non même alors, avant. Moi, je prends depuis très longtemps. Comment expliquer que sous 37 personnes qui signent avec l'indépendance pays, 28 là-dedans, ils ont mouru, ils ont crasé, ils ont tué l'autre.
en commençant par assassinat de Saline, assassinat Capoeira mort dans limonade, assassinat Bois on tourne dans prison parce que les de Saline mourir mettre dans prison après ça tout dans prison et c'était 28 sous 37 monde qui signe à indépendance là mourir. Mais c'est yon qui touye l'autre. Yon qui touye l'autre pour question donc pouvoir. Donc ça veut dire que le problème est profond. Problème très profond. Et puis te gon le, nous te gagne un carco, nous te gagne un piqué à ton l'autre situation. Toujours une situation de révolte, toujours un problème de gouvernance, toujours un problème de revendication légitime. Mais toujours gagne tout, les partisans du chaos. Partisans de blousailles. Mm-hmm. Et partisans de blousailles, c'est le monde qui prend plaisir. Fort qu'on de blousailles, les gens de blousailles, ils se sentent à l'aise. Même si des blousailles, ils ont intérêt. Les protagonistes du chaos, c'est comme ça, l'autre de l'OPL. Sauveur Pierre Etienne. Sauveur Pierre Etienne, c'est comme ça, ils ont baptisé. Mais est-ce que prise de conscience, là, la nécessité d'une conscientisation, l'hypothèse doit, je ne vais pas dire commencer, mais manifester de bon côté. Les élites politiques. Bien sûr. Les élites en général. Les élites politiques également. Les élites en général. Parce que l'élite politique, là, les transversales, les temporaires, tout. Parce que l'élite politique, là, pas existé sans société. L'élite politique, là, côté le sorti. C'est la société. Alors, c'est là pour poser problème. Non, supposer sur le plan strictement conjoncturel, eh bien, on va passer à côté parce que son constat. Tant historique, toujours gain l'orbeille dans le pays. Ya, et c'est l'orbeille nous fait, l'orbeille, ça qui passait avant 1915, nous assassiné président, chaque matin nous jetons gouvernement, pour la cause nous vivons période de l'occupation américaine, nous avons une respiration pendant l'occupation dans le pays, ya, après au final, bataille pirate. Parce que nous avons une crise d'abtraîner. La guerre qui est située à partir de 1986, c'est pas vrai. La crise là depuis 1946. Depuis 1946, les fameuses glorieuses, des jeunes qui ont protesté au commencement du mois de janvier de 1946 pour te renverser l'ESCO. Parce que les SA, revendication, hein, t'es une classe moun qui était sous pouvoir, faut l'autre moun te vini sous pouvoir tout. Et 46, la voile bonne, l'autre dynamique de pouvoir, entre guillemets, pouvoir noiriste, nous tombons dans un cycle politique d'instabilité. Une grosse parenthèse de dictature pendant 29 ans, mais ça ne veut pas dire, il n'est pas marqué par instabilité, parce que son gouvernement, dictatorial qu'il a, mais chaque matin, il y a de tomber. Et chaque matin, il y a un événement qui a fait pour le tomber. Qui fait pas d'espace pour construire le pays. Ou pas construire le pays tout le temps dans la division, dans le gourmet, dans le chirépit. Même après 86, là, nous faisons démocratie. Et pas démocratie, pas bon. Non? C'est comportement nous dans la question de démocratie. Parce que la démocratie, je l'ai dit, alternance politique. Nous pas capable d'accepter l'alternance politique. Là, le gouvernement a monté pas. Et puis, bon, on dit, entre parenthèses, premier monde qui était élu dans la dynamique démocratique là, que vous avez reproché dans l'élection, c'était le président Leslie François Maniga. Il prend un coup d'État, 5 mois après. Puis devant, vous pouvez venir avec Jean-Bertrand Aristide, qui prend un coup d'État tout. Mais ce n'est pas le monde politique qui va vous dire. Bon. Mais c'est dynamique politique là qui fait bon, son c'est problème. Bon, c'est ça a mérité enquête. Son problème de société. Bon. Sorry, d'ailleurs, Raoul Cédras t'a dit que c'était une correction démocratique. Non, mais correction démocratique, il n'appartient pas à l'armée de corriger quoi que ce soit. C'est ça. C'est-à-dire qu'un général de l'armée, de la trempe du général Cédras, connaît très bien qui roule l'armée. L'armée n'a pas gagné pour l'entrer, nan corriger. L'armée n'a pas gagné opinion politique. L'armée, c'est bras armés de l'État. Il est là pour sauvegarder toute valeur démocratique. Yo, mais il n'a pas gagné pour l'entrer, pour prendre position. Général, il a gagné opinion. Mais dans le cadre de sa fonction de général, il n'a pas gagné droit pour dire l'abstention du président. Et c'est même bagarre là qui est en train de se passer là, je veux dire, dans la police. En référence, par exemple, à ce que vous dites tout à l'heure, sur côté
trop bien sorti. C'est comme si Mdadio, turbulence dans tout dans le mental, non? Il est presque en mentalité. Il est presque en mentalité. Et il y a un effort pour nous faire, il faut adresser les. Et je pense même que son bagage pour adresser l'école. Il faut que les gens comprennent. Et là, parle de turbulence politique là. Haïti, sans que moi-même pas quoi une fatalité. Nous avons une souffrance profonde. Non seulement nous avons une turbulence politique là, qui a fait ravage depuis 1806, mais nous avons l'autre bagaille qui est l'intempérance climatique. Cyclone, tremblement de terre, etc. Qui fait long peuple, il y a toute situation ça, il faut ta gagner une prise de conscience pour dire qu'on l'autre gens n'a pas comporté nous pour nous vivre ensemble. Mm-hmm. Et c'est absence de sentiment du vivre ensemble non, qui mettait dans gros l'orbeille nous aujourd'hui. Qu'est-ce ça monsieur Paul qui empêchait les élites justement? Qu'est-ce qui empêchait nous chita pour nous problème, pour adresser vrai problème pays. Sans ne pas dire c'est blanc parler, c'est blanc ceci, c'est blanc cela. L'aime parler de élite yo, moi fait allusion à dirigeants politiques yo, que ce soit sac sous pouvoir, que ce soit sac dans l'opposition. Il y a aussi les dirigeants économiques, les élites économiques qui sont aussi puissantes que moun k'ap dirige yo, d'après ça que nous tendez. Plus puissant. Plus puissant. Dis-nous, M. Paul, ça n'a pas vivre là, jeudi, à la. Si rarement on machine la police, jeudi, lundi 30 janvier, où on machine la police dans la rue, pas gagné que d'où ces policiers. Pas gagné que d'où que c'est pas bandit qui d'ailleurs qui contrôle plusieurs véhicules de la police. Il n'y a pas, j'ai pas vu de point fixe. C'est vrai que je barre de la radio, mais dans la TV, on me fait avant de venir là. Moi, bah ouais, point fixe. Donc, ce qui montrait maintenant qu'il niveau que la situation est grave en Haïti aujourd'hui. Le second problème là, c'est là, ou par contre, qui est-ce pour aller? D'ailleurs, pas même besoin d'oser aller la police. La police n'est pas disponible. Qu'est-ce qui empêche les Haïtiens, les élites du pays, chita, pour poser les vrais problèmes, pour dire que ça, ok, avec ou sans le blanc, nous allons agir pour nous sauver le pays, pour nous sauver petite. Petite nous et petite nous. Ça empêche ça fait. Je pense qu'on pose un problème fondamental qui a tripoté depuis quelques temps. Et pour qui ça, au-delà de parler, nous ne pouvons pas agir ensemble. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Il y a question de division, question de stigmatisation. Parce que nous-mêmes, nous autoproclamons être nos juges. Hélène dit nos juges là, nous baillons peut-être nos raisons, nous baillons l'autre là. Tort systématiquement, c'est qu'on s'ennuie. Chaque bagaille qui passe, nous dit bon, par exemple, soit regarder dans l'histoire récente pays, il y a trois groupes qui ont ciblé. À un moment, c'était duvaliériste, à l'autre moment, c'est Lavalas, puis récemment, c'est PHTK. Mm-hmm. Bon, l'on monde dit que c'est Lavalas qui est responsable, mal le pays, ou bien c'est duvaliériste, ou bien. CPHTK, bon, lui pensait que lui-même, surtout, il y a tout le monde PHTK, ou tout, il y a tout le monde là. Voilà, ce problème n'a résolu. On s'est cohabité pour nous cohabiter. C'est vivre pour nous vivre ensemble. C'est règle jouette là pour nous respecter. Et nous allons arriver dans 7 février là, qui va le faire en date, et environ 37 ans depuis Duvalier aller. L'année passée, nous avons fait un commentaire, il y a des camarades qui ne sont pas d'accord avec moi. Moi, je dis que c'est un erreur le 7 février. Il y a 2 erreurs qui fêtent 7 février. Premier erreur, c'est Jean-Claude Duvalier qui fait. Il est allé, il pensait qu'il a quitté le régime en place. Il quitte au CNG, qui gagne 6 personnes là-dedans, et son seule figure de l'opposition démocratique qui a gagné, c'était M. Diagogue. Ça veut dire que Barayala était déjà paraître et force sous-côté, c'est la continuité. C'est que le peuple n'a pas accepté. Deuxième problème, non? Équipe monde qui t'a goumé contre Duvalier vini avec le slogan « Makout paladin ». Or, Makout, c'est citoyen pays. Oui. Nous t'a dit « Makout criminel paladin ». Je suis d'accord avec ça. Mais, lors d'un régime qui fait 30 ans son pouvoir, et pour dire tout le monde, vous avez mis au dehors, vous n'avez pas besoin de faire politique encore, ou font constitution, vous mettez au dehors pour 10 alors, ans. Alors, il y a un capitaine de nous là, M. Paul, qui a dit Mando, ce pas non, ma coupe pas là-dedans, non tout. Oui, il est là-dedans, là. C'est-à-dire, même jour,
gagne ça relé courant. Moi-même, moi grand monde qu'on a même pas mettre parole dans bouche. Mais tu une époque c'est conjoncture qui mène monde. Gon discours ka la mode. Moi pas dans discours à la mode je dis. Mais l'aime des plus jeunes t'es influencé par le discours à la mode là. N'était capté manquer de recul. Moi expliquerai ça dans métropole déjà. Moi expliquerai que y en a plus gros et bagaille qui fait les anciens du Valérisme, songe ancien général Claude Raymond font parti politique qui les prend. Bon nous dit parti a pas droit fait. Comment on fait pas gain droit fait là? Nous dit n'a fait démocratie c'est la cohabitation pacifique entre les forces. Pas rien à faire armes encore. Eh bien si les anciens du Valéry voulaient jouer un rôle politique dans le pays, ils ne sont pas capables d'empêcher de faire partie politique. Qui fait affaire intolérance pour ne pas confondre la citoyenneté, pour ne pas confondre avec complicité. Eh bien, l'ICEUN est un bagage fondamental qui fait nous enseigner là, ou à que les gens qui font l'économie, qui font le business, ils ne sont pas tellement fonctionnels dans la politique. Parce qu'il y a deux étapes dans la politique. Il y a une étape politique de l'opposition, il y a une étape politique du pouvoir. Moi, je fais une petite expérience dans tous les deux. Je fais une longue expérience dans l'opposition. Et bien, dans l'opposition, je ne sais pas comment on en met qui dans l'économie. C'est extrêmement difficile pour pas qu'être raison, pas qu'à offrir rien. Deuxièmement, on met le business en danger. Vous comprenez? Ou son élément, infréquentable. Vous comprenez? L'on a pouvoir. C'est eux qui viennent vers vous même. L'on a pouvoir, il y a un bagage, il y a besoin, il y a un bagage, etc. Mais il faut que ça suspende. Et une raison de crise là, c'est parce que le parti politique est faible. Pour qui ça est faible? Parce que la société n'a pas appuyé. Nous avons une ambiance de parti de masse. Ça, c'est le parti de masse là. Peuple là, mon bon parti, mais peuple là, pas qu'à faire partie là. Pour un paquet de raisons, il y a une capacité pour contribuer économiquement dans le parti, il manque savoir académique pour l'orienter et politique parti, il peut être force, il peut être revendication. Mais est-ce que c'est pas faiblesse au niveau éducation? Tout ça c'est une, est-ce que c'est pas la misère tout? Parce que je dis la misère et la pauvreté par exemple, je dis on est qui gagne 1000 gouttes, écoutez qui gagne plusieurs 1000 gouttes que le cabaye, élection t'es presque garantie parce que le monde qui baille plus qu'au blanc c'est les mêmes qui gagnent chose. La précarité. Alors pour nous faire une comparaison entre Haïti et l'autre pays, la République Dominicaine a le même problème avec nous. Ou qu'on ne pas que sa stabilité République Dominicaine n'a passé. Ce n'est pas force l'armée qui a augmenté. Et c'est vrai, ils ont renforcé l'armée, ils ont renforcé la police, la CAIO. Mais c'est force politique sur le terrain, les partis politiques. Chaque parti politique, il y a des gens là-dedans, il y a des intellectuels là-dedans, il y a des gens qui affichent là-dedans, il y a des hommes d'affaires qui financent les partis ouvertement. C'est ça que fait. Ça, c'est pas en bachal. Là, il y a une grave crise en 1994, en République gros crise en République dominicaine. Et bien, qui est-ce qui résout la crise là? C'était la société civile et les hommes d'affaires. Monsieur dit, élection a fini de faire. Nous financer, même pas pour le pays. Je dis, les politiques, entendons-nous. C'est ça que tu mené en entente. En Peña Gomez et Balaguer. Balaguer dit, bon, au lieu de faire 4 ans, je fais 2 ans. Et depuis le ça, ils créent une ambiance de stabilité politique dans le pays. Nous ne pouvons pas résoudre le problème d'insécurité, le problème de grand groupe, le problème de chômage, sans une véritable entente politique. Et c'est ça que Abdel Petit a pris les conférences nationales. Là. Il y a des gens qui pensent que les conférences nationales, là, c'est chita avec quelques gens, ou entendre-nous avec des gens qui bien avec eux. Mais le pape marché. Faut entendre nous avec moun nous pas d'accord avec lui justement et c'est ça qui est difficile là. Et c'est ça qui doit faire si nous voulons mettre la paix dans le pays et créer une ambiance de cohabitation pacifique qui pourra permettre nous et avancer sur le chemin vivant ensemble. Maintenant. Nous parlons prendre pause dans monsieur Paul mais avant nous d'après main ouais avec vous. Il y a un peu de monde qui pensait le fait que États-Unis et Canada ont annoncé qu'ils prennent sanctions contre des leaders politiques et des membres de l'économie, des membres du secteur économique. Nous avons observé une sorte de pacification paysan, en pile négat, t'as craint pour pas arriver, on leur bagne balle encore, t'as pas le gant accalmie, voilà le terme que je cherchais, t'as pas le gant accalmie dans l'insécurité et dans la violence. Mais t'as semblé que malgré sanctions, yo, situation qui est plus grave.
C'est pas remarque pas ou pas faire remarque là-dedans? Non, moi-même, je connais comme ça pour le passé. Parce que je connais gang pas de mètre. Gang là, c'est opportuniste lié. Gang, contrairement à ça, je dis gang pas de mètre. C'est gang qui manipule les gens qui ont l'argent, les gens qui ont le pouvoir. Moi, je dis ça déjà ici. Gang là, c'est un nègre qui agit sous faiblesse liée dans la société. Li frappe l'estomac, li dit moi-même son gang lui fait mon peul nèg politique là boulavel parce que le peul il besoin espace pour le faire campagne pour l'exister etc. Homme d'affaires boulavel parce que il besoin faire business etc. Alors gang là il pas sous l'obéissance monde on est gang yo prend ou libre sous faiblesse moun yo qui pas organisé yo qui pas organisé l'état qui pas renforcer la police là qui pas permettre un véritable service d'intelligence qui fait au même IAP exister au détriment de l'état des gens politiques de mais la société civile des hommes d'affaires et du peuple gagne un chef gang qui te dit que lui même n'est pas déplacé il pas saute dans la rue moun n'a kidnappé ou c'est poté yo pote bayo et à un moment donné il y a moun ki te même quoi que gagne kidnapping qui politique non mal zéro là on crise toute qualité moun là dedans gagne mauvais moun dans politique gagne mauvais moun dans les affaires gagne mauvais moun dans la presse son société en crise toute société gagne mauvais anguille le mot dérive exister c'est ça que fait lorsqu'on véritable institution ou ba tête ou méthode ou ba tête ou principe pour gérer, m'ta capable de dire, image, pour gérer discipline la caillou. Pas une société infaillible. Même pas chita, sous yon individu, deux individus qui pas bon dans institution pour nous le jeter. C'est ça que t'es passé nous avec la mer. T'es un monde qui fait des autres dans la mer. Et puis, nous, dit comme solution, c'est craser la mer. Et puis, nous payons conséquences là, je dis. Hein. Donc, vous estimez que gang pas de mettre tout ça qu'on a dit, comme si y a un monde qui sous pouvoir, qui entretient de bonnes relations avec les chefs de gang. Il y a des opportunistes, pas opportunistes. L'opportuniste, où tu dois avoir des gens qui ont des business dans la zone pour fonctionner, ils ont dit la gang, non? Même penser que tu as pipito dit la que la police. Maintenant, tu as posé la question, est-ce que vous payez taxes? Jean pour payer pour l'État, il y a un moyen pour une police qui est vraiment fort. Parce que je pense que un citoyen est plus à l'aise pour le dire que la police, à l'institution, que la gang. Alors, gang, c'est un phénomène. Et il faut faire très attention. C'est pour un phénomène haïtien lié. Gang pour un phénomène haïtien. Affaire gang a commencé. Mais ils ont géré l'autre côté. Ils ont géré l'autre côté, mais son phénomène. Son phénomène, moi-même, dans la recherche que je fais, gang commence à exister depuis un siècle. Premier gang qui paraît en Californie aux États-Unis en 1820. Vous comprenez? Il y a eu le C14. Alors C14, c'est par rapport à la zone côté autorité. Et depuis là, ça, il y a une dynamique de gang à travers le monde. Il y a une étude qui est faite en Angleterre sur la problématique gang en 2010. Il a été évalué environ 2 millions de monde dans la gang à travers le monde, tout côté, dans tout pays. Et nous-mêmes en Haïti, phénomène gang, nan, par exemple, il y a une personnalité haïtienne, il y a un ancien ministre Paul Desjean qui a fait longtemps à vivre au Canada, qui a montré que phénomène gang apparaît et il commence dans la fin années 80. Yo, au Canada avec des jeunes haïtiens, alors je ne parle pas de gang haïtien, jeunes haïtiens frustrés qui vivent une discrimination, bah, comme ça, ils ont fait des petits gangs pour défendre un problème racial, bah, comme ça. Et phénomène n'a pas le gars, pas seulement au niveau haïtien, au niveau mondial, particulièrement aux États-Unis, on peut pas connaître Chicago, bah, New York, Miami, plein gang. Et là, la mais police. Nous pas besoin ça. Nous non, tu as des bons bagages. Non, ils ont un impact sur nous. Ils ont un impact sur nous. Là, ils prennent un élément gang aux États-Unis, ils mettent dans la prison. Ils cherchent l'origine. Ni que tu as fait aux États-Unis. Ils pimpent le bon boy ici. Là, ils viennent ici. Ils ne sont pas venus aucun encadrement. Ça, ils ont fait l'autre boy. Ils continuent à faire le boy ici. Qui fait gang, nan, en ce qui nous concerne en Haïti, sont produits importés. Ce n'est pas haïtien, tempérament, nous, janouillé, et il y a un bagage fondamental, qui c'est la faillite de la famille.
Parce que premier peloton police dans la société, c'est la famille. La famille est fait bec à terre, et bien qu'on y a un bon jeune qui a parusé, qui fait ça et vous voulez, vient contre sous faiblesse l'État. Et faiblesse l'État, il combine par plusieurs facteurs. Citoyens ont aidé à faiblesse l'État parce qu'ils n'ont pas quoi dans l'État. Tout le monde pensait que l'État son cible von Krasel. Et nous pas qu'on est que l'État, c'est nous. C'est l'État pour nous organiser, pour nous défendre tête. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique, et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sorti lundi pour arriver vendredi, depuis fait 2 heures que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat.